Hey, salut, bienvenue dans la vidéo tuto, donc celle que vous attendez tous. Donc on se retrouve sur Goku Market. Donc vous pouvez le voir, Goku Market, quand vous êtes inscrit, vous tombez sur ce beau panneau. Hein, je vous répète qu'il faut que vous ayez été vérifié KYC. Dans le profil, vous allez dans Settings, le but du jeu, quand vous allez faire des virements, le bancaire, allez dans Paiement, Méthode et Entrée. Rajoutez votre virement bancaire, hein, comme je le répète, un compte dédié à ça. Donc vous entrez des éléments, vous faites submit pour rajouter votre méthode de paiement. Quand vous avez rajouté votre méthode de paiement et que vous vous êtes fait vérifier au niveau des papiers d'identité, hein, carte d'identité ou passeport, là vous pouvez enclencher la machine. Donc pour faire ça, il faut d'abord aller acheter de l'USDT. Alors sur cette plateforme, je le fais comme ça. Donc il faut faire le virement, hein, comme je vous l'ai montré dans la première, vidéo. Vous allez dans Main, Cash, Deposit, et là vous faites la manip de la première vidéo. Hein, le référence number, très important, vous allez sur votre compte et vous marquez ce numéro en référence pour enclencher le virement. Derrière, vous venez sur Goku Market, vous remplissez, vous uploadez. Ici, l'imprime écran, hein, parce que sur votre virement bancaire, quand vous allez arriver à la fin, ça vous fait un récapitulatif. Vous faites un imprime écran de ça que vous venez télécharger ici pour dire à Goku Market que vous avez fait un virement. Ça prend une ou deux journées. D'accord? Quand vous avez déposé vos 50, enfin, 50 euros, hein, le but du jeu, c'est d'avoir 50 dollars. Là, vous pouvez acheter des USDT pour lancer la machine. D'accord? Donc, vous allez ici. Et vous faites sélectionner USDT. Moi, je vais acheter du USDT pour lancer la machine depuis le wallet. Parce que si vous voyez la 0,25, si vous faites par carte bleue, vous pouvez le faire. Hein. Ça fait 5,25%. Donc, c'est pour ça que je vous dis le virement bancaire, moins de frais, moins cher. Donc, là derrière, vous mettez de votre wallet. Dessus, vous avez mis des euros. Donc, pour faire 50 dollars. 50 dollars, on va le faire ici. Ça fait en conversion, ça vous donne 44 euros. Donc le but du jeu, vous rentrez 44 euros ici. Voilà, vous faites preview, vous validez, et là vous avez acheté, on va dire 50 USDT. D'accord? 50 dollars, 50 USDT. Comme je vous dis, USDT, crypto-monnaie liée souvent au dollar, donc vous pouvez faire le rapprochement comme ça. Donc derrière, vous avez vos USDT. Donc à partir de là, vous allez lancer l'offre de lancement. Ça, c'est la première chose à faire. Vous lancez l'offre de lancement, vous cliquez sur View, et là, vous allez sur 50 dollars ou plus, si vous faites comme vous le sentez, vous faites Next, et là, vous avez deux choix. La première, c'est si on n'a pas de crypto-monnaie, il nous demande de les stacker pendant 12 mois. Comme je vous l'ai dit dans la première vidéo, bah, c'est l'objectif, c'est quand même de stacker des GMC pour gagner en plus des USDT en stockant les GMC, la crypto-monnaie donc de Goku Market, sur leur coffre-fort. Donc ça, c'est le premier choix à choisir. Bien évidemment, si vous avez des crypto-monnaies, du GMC entre autres, vous pouvez stacker 50 GMC sur votre wallet directement et donc vous cliquez sur la deuxième. Nous, on va faire comme si vous n'aviez pas de crypto-monnaie, que vous commencez, vous voulez lancer cet investissement pour avoir des revenus passifs. Donc vous laissez là-dessus, vous faites Next. Et là, donc, vous allez sur USDT. Là, normalement, j'ai marqué 1,18. Mais là, normalement, vous avez acheté vos 50 USDT. Donc 50 dollars, ça sera marqué 50 et quelques. Donc vous cliquez là-dessus. Et là, vous faites Start Earning. Là, à partir de là, Start Earning, il active votre bot. Donc là, c'est bon. Ces trois clics, là, vous allez enclencher le bot. Il s'affichera en dessous. Vous cliquez sur Active et là, vous le verrez s'enclencher. D'accord? Donc là, vous aurez un bot actif. Avec 50 dollars, comme je vous l'ai dit, vous pouvez souscrire jusqu'à 5 bots. Donc c'est-à-dire que vous laissez tourner la machine et quand vous aurez encore 50 USDT, vous pourrez relancer un deuxième bot. Voilà. Donc moi, bon, pour la vidéo, j'avais fait un deuxième. Vous voyez, j'en ai fait deux. Donc là, vous voyez, on peut avoir un retour de 125 dollars. Donc on peut se renvoyer plusieurs fois le bot ou garder les 125 dollars et investir tout de suite 125 dollars. Vous faites comme vous voulez. En tout cas, avec 50 dollars, vous pouvez souscrire 5 fois à cette offre de lancement, ce qui vous permet de gagner 5 fois plus. Okay? Donc ça, vous avez mis en place le bot. Le bot est actif ici, il tourne tout seul. Vous voyez, bon, déjà, moi, je l'avais mis
Pour vous montrer, je l'ai enclenché le 9 novembre. Et depuis le 9 novembre, j'ai des retours sur l'investissement de GMC, crypto-monnaie locale de la plateforme, et du SDT. Voilà, chaque jour qui tombe. Ok ? J'ai eu 2 GMC et 1,25 USDT, qui correspond en tout à 2,5 $. Ils font à la conversion directe, mais bon, c'est pas ce qui nous intéresse le plus. Donc, après avoir fait lancer l'offre de lancement, comme je vous l'ai dit, hein, View, ici vous choisissez 50 $. Restornez, faites next. Là, vous laissez la première parce que vous n'avez pas de crypto-monnaie GMC. Donc, vous laissez comme ça. Ce qui va vous dire en fait de stocker des GMC sur le coffre-fort pendant 12 mois. Voilà, bon, c'est pas dérangeant. Le but du jeu, c'est de faire des retours à investissement et de venir, par exemple, récupérer les gains au bout d'un an. Et vous faites next. Et là, vous faites que vous allez chercher l'USDT, évidemment, parce que c'est par l'USDT que vous enclenchez le bot. Et vous faites start earning. Et c'est lancé. D'accord ? Et le bot s'affichera ici. Là, vous avez fait la première étape qui est d'enclencher l'AIBOT et le GMC défi qui vous fait gagner, comme je vous le disais, la moitié en USDT et l'autre moitié en crypto GMC. La deuxième chose à faire, c'est, comme je vous le disais, de gagner encore plus d'USDT en stackant, comme il vous demandait là, en stackant les GMC sur le coffre-fort. Là, vous avez vu, vous avez choisi l'option de stacker pendant un an la crypto-monnaie GMC sur le coffre-fort. Mais ça se fait, en fait, là, pour l'instant, vous êtes obligé de le faire manuellement. C'est-à-dire que si vous allez dans votre wallet, vous avez des rewards, qui est le retour sur investissement. Et là, si vous descendez, moi, je ne l'ai pas, hein, mais parce que j'ai enclenché la deuxième option que je vais vous montrer. Là, vous avez des GMC qui s'affichent. Et il faudra faire transfert et les transférer vers le wallet. Et ensuite, bah, manuellement, les transférer sur le vault. Bon, vous voyez, ça fait des manips en plus. Moi, je vais vous simplifier la tâche pour que vous puissiez que ça se fasse de manière automatique, c'est-à-dire que comme ça vous avez enclenché tout le système et que vous n'avez plus rien à faire, juste à venir voir vos gains, vos retours sur investissement, comme on dit. Donc je reviens sur Wallet. Voilà. Et donc pour enclencher ça, il suffit d'aller dans le coffre-fort de la plateforme. Tout le monde a un coffre-fort quand on ouvre un compte, ok. Et vous allez ici, vous voyez, auto-transfert GMC Reward. Et vous enclenchez l'option. Et vous enclenchez l'option tout simplement. Là, à partir de là, vous n'avez plus rien à faire. C'est-à-dire que les GMC que vous gagnez grâce à l'offre de lancement vont aller directement dans Rewards et de Rewards, qui est le retour sur investissement, comme je vous disais, hein, le menu qui est là, Rewards, vont aller directement se positionner dans le Vault et dans votre coffre-fort. Et en se positionnant directement dans votre coffre-fort, vous allez gagner 12% en moyenne par mois en plus du SDT. Donc, c'est-à-dire qu'il y a double gain. Vous mettez en place le bot, vous allez gagner 25% du SDT et 25% de la crypto locale qui est la GMC, d'accord ? Et en enclenchant ça en auto-transfert, en enclenchant cette option-là, la partie de crypto-monnaie en GMC va venir être stockée dans le coffre-fort de GoCoMarket. Et là, en le laissant pendant un an, donc, hein, comme ça a été verrouillé au début, comme ça a été dit au début, comme vous le laissez sur le coffre-fort, vous allez gagner encore 12% du SDT, donc vous avez double gain. À la fois en enclenchant le système et à la fois en stockant les GMC sur le coffre-fort. Voilà, comme je vous dis, revenu passif, ultra passif, vous n'avez rien à faire. Et là, vous voyez, moi, ça, c'est tous mes gains du bot qui sont venus se mettre dans le coffre-fort tous les jours. Ça vient, et tous les jours, donc, ça va me faire gagner petit à petit de l'USDT. Voilà, et ça va venir agrandir mes gains. Ici, par exemple, voilà. Vous avez des USDT qui vont venir monter ici. Et avec ces gains, au bout d'un an, vous allez ou pouvoir récupérer vos gains, ou pouvoir les transformer les GMC, les transférer sur votre wallet, acheter d'autres crypto-monnaies, et les USDT, pouvoir les transformer, c'est ça qui est agréable, les USDT, pouvoir les transformer en dollars, par exemple, pour pouvoir en faire ce que vous voulez derrière, et notamment les réinvestir dans un autre investissement. Voilà, c'était la petite vidéo tuto. Bien évidemment, dans le corps du message, mettez-moi vos commentaires, vos questions, je répondrai. Je vais vous mettre aussi le lien des tutos de GoCoMarket. Comme je vous dis, ils ne sont pas super, mais ils ont ils existent, c'est déjà ça. Moi, je voulais vous faire ce tuto juste pour enclencher le système, parce que je vous dis, à l'issue de ça, vous n'avez plus rien à faire. Juste à regarder vos gains chaque jour, alors ou sur PC, comme je l'ai dit, ou sur l'appli téléphone. Moi, j'ai téléchargé l'appli téléphone qui me permet tous les jours de voir depuis mon téléphone les gains qui tombent tout seul. Et vous n'avez plus rien à faire.
Voilà, c'était la petite vidéo pour gagner des revenus passifs en crypto-monnaie avec cette plateforme Goku Market. Et ne oubliez pas, l'offre de lancement, elle est dans la description. Inscrivez-vous au plus tôt parce que je pense que ça va tellement bien marcher que bientôt, elle n'existera plus. Voilà, je vous remercie de me suivre et je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao, ciao!